Oui, je vous ai troll, le fameux Viper 001, c'est moi. Je suis vraiment désolé. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça, bâtard? Je vous explique, j'en ai vraiment marre des rumeurs. Du coup, moi, en tant que génie, je suis pas trop sûr de ça. Bref, je me suis dit que ça serait une idée sympa de créer un hacker de A à Z pour ensuite vous faire comprendre que c'est méga facile de créer des rumeurs et qu'il faut faire attention à ce qu'on croit sur Internet. C'est pour ça que j'ai dû réfléchir. À la fin, il y a même une grosse dinguerie. Bon, il y a quand même plein de personnes qui ont cramé la supercherie, je les félicite. Mais il y en a plein qui y ont cru. Déjà, j'espère que vous allez bien. Posez-vous tranquillement. Et encore, merci pour les 300 000 abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé ce fameux Viper 001. Premièrement, il va ressembler à quoi? Parce que oui, un hacker qui ressemble à ça, c'est pas ouf, on est d'accord. Voici mon premier brouillon. Ouais, j'ai été mal parti. Mais t'inquiète, après je me suis remis en question et je suis parvenu à ça. Ah là, ça fait désir. Maintenant, il lui faut un blaze, un nom qui fait peur. Là, c'était compliqué. J'avais vraiment pas d'inspiration, donc je suis allé dans un site qui génère automatiquement des pseudos. Ah, ça, c'est que pour les flemmards comme moi, je vous le dis. Il y avait vraiment des trucs éclatés sa mère. Puis à un moment, il y a eu Viper. J'ai eu une révélation. Pourquoi pas ajouter un 001? Déjà, ça va être plus crédible et c'est stylé. Ouais, je suis assez brillant comme mec. C'est totalement faux, j'ai encore mytho. En fait, c'est juste Roblox, ils m'ont pas laissé mettre Viper tout seul, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai rajouté un 001 parce que j'avais la flemme de trouver un autre pseudo. Purée, je suis vraiment un flemmard. C'est pas grave, ça arrive. Maintenant, on a le compte, mais il faut changer le skin. J'ai vraiment rien contre les baconnières, mais là vraiment je vais pas aller loin. Regarde-moi cette coupe aléatoire qui te donne envie de lui donner une pièce. Je sais pas moi, mais un bonnet comme moi, non? Et non, je vais pas enlever le bonnet dans cette vidéo, sinon ça risque de piquer les yeux. Mais vraiment, on va pas me prendre pour un hacker avec ce skin là, on va me prendre pour un SDF. Du coup, j'avais pas d'autre choix que de payer des Robux dans ce compte. Robux time mon pote. Eh, j'ai vraiment investi dans ce prank, j'espère que vous m'en voulez pas trop hein. Pour que ça soit encore plus crédible, je me suis dit pourquoi pas créer un autre compte qui s'appelle J'aime pas Tikida et ensuite l'ajouter en ami. Eh ouais mon pote, grâce à ça, il y a plusieurs personne d'entre vous qui ont cru. Bon là on a la base du plus gros piège que je vous ai fait. Mais il faut rajouter du pep. Faut créer un truc qui va créer de l'émotion en vous. Je sais pas moi, vous avez envie de vous tabasser là. Ou sinon encore pleurer. Tu vois, un truc qui fait vibrer. Et ça a aucun sens. J'ai appelé mon pote développeur sur Discord et je lui ai proposé de m'aider. Allô mec. Ouais allô. En fait j'ai besoin d'un jeu là, ok, qui me vole mon mot de passe. Il faut que tu fasses un truc crédible s'il te plaît. Ouais vas-y t'inquiète, je t'envoie ça, je te fais ça dans la soirée, je t'envoie un message Discord. On fait comme okay, ça. Ok ok, parfait, parfait, tu gères, merci mec. Ah là, il a pas fait les choses à moitié, hein. Mais bon, là, c'est pas du tout terminé. Il faut plus de choses. Du coup, là, je me suis dit, mais attends, faut créer une histoire à ce fameux Viper 001. Que si le mec, c'est juste un mec aux cheveux verts qui gambade dans la rue et qui hack des comptes, c'est pas ouf, tu vois. Il faut faire une histoire comme Jenna. Ben oui, parce que les gars, Jenna, c'est une rumeur. Il y a encore plusieurs d'entre vous qui y croient vraiment. C'est totalement fake, comme ce que je vous ai fait croire. Du coup, moi, je vous ai fait une animation de professionnel. J'insiste bien sur le professionnel de l'histoire de ce Viper 001. Salut, moi, c'est Viper 001. Parce que je connais pas la suite des chiffres. Bref, j'aime bien les Bobux. Du coup, je les chure avant qu'on décode Roblox. Ah ouais, mais qui t'a appris à hacker en fait? Ah, c'est simple, j'ai pris une formation sur Wish. C'est impeccable. Je prends aussi du plaisir à voler les cartes bancaires des mamies. Ah, mais du coup, c'est toi qui as volé la carte bancaire de Mamie Jacqueline? Non, au contraire, c'est elle qui m'a racketté. Pas une mamie, elle, c'est un gouloum. C'est qui m'a appelé? J'ai entendu mon nom. Oula, c'est parti loin, hein. J'ai bien fait de pas poster ça parce que sinon, ça aurait gâché tout mon plan. Mais au moins, c'est ça qui est cool avec cette vidéo, c'est que vous savez un peu tout ce que j'ai fait pour préparer ce piège. Et vous comprenez aussi que je suis débile parfois. Ok, là il faut exécuter tout ça. Du coup, j'avais sorti un short. Vraiment, plusieurs d'entre vous étaient trop adorables dans les commentaires. Je vous remercie énormément. Carrément, moi je me sentais mal quand je lisais tout ça. Oh non, je suis trop triste que t'as perdu ton compte. J'ai pleuré pour toi toute la nuit, carrément. Pas aller à l'école pour écrire Roblox de te déban. Je suis trop triste. Oh my god, s'il te plaît, reprends ton compte. C'est abusé là, non? Calme-moi, c'est un prank en fait. Moi j'hésitais à tout supprimer, mais fallait continuer ce prank. Car vraiment, je voulais vous prouver qu'il y a trop de fake hackers, comme cette fraude de Jenna. Ensuite, je suis allé sur mon compte et j'ai changé mon skin et ma description. Ah là, j'ai tout donné. T'es mal le skin, frérot. T'es plus peur que mon daron quand il reçoit mon bulletin. Carrément, même Enzo One, un petit peu, on a fait un short. Et ça, ça a bien aidé à alimenter la rumeur. Par contre, ça me fume. Il y avait plein d'abonnés qui venaient et qui me disaient: ouais, peut-être c'est Enzo qui tag. Ah ouais, eux c'était des détectives venus des chiottes. Je rigole, mais vraiment, ne devenez pas détective. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres chemins dans la vie. À ce moment, mon plan était parfait, presque parfait. Car oui, dans la vie, les gars, rien ne se passe comme prévu. Roblox a ban le compte Viper 001, mais mec, en fait, je pense qu'il y avait trop de gens qui l'ont signé à aller. Ah là, j'avais trop le seum. Vous étiez bien contents, hein. Mais moi, j'avais le seum, j'en ai marre. J'ai payé des Robux sur ce compte, et là, j'ai même plus accès, frère. Patate. Moi, je voulais vous le faire gagner pour me faire pardonner, mais là, je sais pas quoi faire. En vrai, je pense que je peux le récupérer. J'ai envoyé un message à Roblox. Salut Michel, j'aimerais que tu me débannes
banne mon compte Viper001 sur Roblox parce que là il y a quiproquo. J'ai fait une blague à mes abonnés et du coup ils l'ont signalé. Je me suis pris l'ouragan du siècle. Mais bon, quand j'ai relu mon message, je me suis dit: ah là t'as merdé frérot, tu t'attendais à quoi? Frère, j'ai envoyé un message digne d'un clochard. Vraiment, il fallait pas que je m'attende à mieux. Par contre, il y a un truc trop drôle dont je voulais vous parler. Il y a des petits filous qui m'écrivent sur Discord et qui me disent: ouais Tikida, je suis le frère du hacker, je suis le cousin du hacker, je suis la mère du hacker. Oh, je sais que je suis débile mais faut pas me prendre pour un con. T'es mal limito, j'ai jamais vu ça de ma vie. Carrément, quelqu'un il m'a dit c'est moi Viper001. Frère, c'est moi qui ai créé le compte. Vraiment, on peut pas dire qu'ils ont pas d'imagination. À eux, quand ils arrivent en retard à l'école, ils doivent te sortir des excuses de malade mental. Ouais madame, désolé du retard, en fait mon père c'est Mister Beast, du coup je devais tourner une vidéo avec lui. Moi j'ai eu l'idée d'en contacter un et de le troll. Ouais. Eh, je sens que ça va être trop drôle. Je vais même lui dire que s'il réussit à me rendre mon compte, je vais lui donner 10 000 Robux. Ah là mon gars, il va faire pipi sur son pantalon là. Là je sais pas, il va me sortir quoi comme dinguerie, mais je sens que ah ça va être pépitares. On aura le droit à du mitonnage de qualité. Ok les boss, il est 1h du matin et j'ai trouvé un mec qui pourrait être très intéressant à troll les gars. Il s'appelle Hacker Officiel 2022. Frérot, c'est quoi ce pseudo? Aucun hacker de toute la Voie Lactée va s'appeler comme ça. Eh, ça sent l'arnaque à tout. J'ai oublié l'expression, mais on s'en fout. Là, je dois aller le troll. Du coup, je vous laisse avec la séquence. Ça va, mec? Ouais, et toi? Ah, ça va. T'es ami avec le hacker, ça, Viper001? Ouais. Ok, c'est ton pote. Genre, tu le connais comment? Je le connais bien. Sans le connaître bien. Genre, en fait, comment dire? Il est méchant sans être méchant, quoi. Ah ouais, il est méchant? Non, sans blague. C'est ton pote de classe? Non. Il m'a via un ancien compte. Ah ouais? Oui. Si tu m'aides à retrouver mon compte et tu me donnes plein d'informations à propos de ce Viper, je te passe 10 000 Robux. Parce que là, j'ai plus mon compte. Ouais, je sais, j'ai très bien compris, justement. Non, frérot, tu vas pas nous la faire, t'as rien compris. C'est pour ça que j'ai cherché à te contacter depuis quelques semaines. Ok. On va les couilles, frère. Mais tu penses que je pourrais avoir mon compte ou pas? Comment tu vas lui parler? Genre, tu peux l'appeler, je sais pas. Je m'étais promis de pas hack un de tes abonnés. Depuis ce jour-là, je cherche encore le rapport. Le mec, tu lui dis c'est quoi ta couleur préférée? Il te répond voiture. T'es un hacker? Genre, je suis un hacker gentil, genre. J'hack pas tout le monde. Que ceux qui me font chier. Ah oui, ouais, j'ai oublié de lire ton pseudo, c'est hack officiel, ouais, c'est vrai. 2022. Attends, en 2021, t'étais là ou pas? Je suis arrivé depuis janvier. Okay. Et t'as hacké combien de comptes? Deux, trois patates dans ta bouche, ouais. Je suis heureux de ma blague. Moi je m'en fous un peu, tu vois, je vais pas te mentir. Moi, je veux vraiment mon Viper, là. Il est où, ce Viper, là? J'ai envie de le tabasser, là. Il faut que tu me dises, il est où? Ok, t'as déjà parlé avec lui? Oui. Tu lui as parlé en vocal? Oui. C'est en message. Ah ouais? Il avait quoi comme voix? Genre, il a une petite voix aiguë sans son modificateur, là. Ah, attends, tu l'as entendu sans son modificateur? Oui. Imite-le-moi, s'il te plaît, imite-le-moi. Il a une petite voix aiguë comme ça. Genre, le gars, ça se demandait s'il est pas gay, quoi. Les gars, je sais pas, ce jour-là, j'étais pas concentré, mais en plus d'être habito, le gars, il lâche des dingueries. Tu sais comment je t'ai renommé, là? Tikida, le BG avec son chat. Attends, est-ce que tu m'aimerais imiter une dernière fois le hacker? Parce que ça m'avait vraiment plu, je sais pas pourquoi. T'aimes trop les voix aiguës, hein. Tu vois, j'ai envie d'entendre sa voix, comme ça, si un jour je l'entends, tu vois, je lui casse sa... Voilà, quoi, t'as compris. Il a une voix petite aiguë comme ça. Okay. Si tu veux, je peux te donner plusieurs informations. Vas-y, donne-les-moi. J'ai des items gratuits, j'ai plein de codes. Mais il est débile, mais il est débile. Ouais, mais ça je m'en fous un peu, je vais pas te mentir. Mais mec, si je te dis c'est moi Viper001. Bah alors je te connais. J'en ai vu des menteurs dans ma vie, je vous assure. Mais alors celui-là, c'est quelque chose. Toi t'es un vrai mytho, hein. Mec, Viper001, il existe même pas en fait. Ah, c'est tout? Non, par contre, tu sais que je connais vraiment un Viper. Tu l'as pas rencontré? La vie de Wham. Quand t'étais en train de dormir ou un truc genre? Non, la vie de Wham, je connais vraiment un Viper. Ça arrive d'être un mytho dans la vie. Non, la vie de ma mère, c'est vrai. Donc voilà les boss, on termine sur ça. Comment la troll, c'est pas possible. Je m'attendais pas à que ça soit aussi drôle que ça. Donc voilà, n'hésite pas à liker si c'est pas encore fait, à t'abonner avec la cloche des notifications. Ben oui mon pote, sinon je vais tirer dessus. Non je rigole, en tout cas c'était ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, désolé. Mais là les gars, on va charbonner, on est bientôt 400k, on est bientôt 500 000. Ouais c'est incroyable, bon bientôt Ça va prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas, je serai en live juste après cette vidéo. Je vous attends nombreux, n'oubliez pas de manger des courgettes.